Cette année, on a semé sur notre nouvelle parcelle ce grain qu'on avait récolté l'année passée. Et puis on se rend compte que ça s'amplifie, que ça donne de la vie. Et aujourd'hui même, on est sur ce terrain avec quelques personnes qui ont bien voulu venir, donner de leur temps pour nous aider à d'une part faucher avec une faux comme à l'ancienne. Donc on a deux excellents faucheurs. Et ensuite, on a une équipe de quelques personnes qui sont venues pour le ramasser. La semaine prochaine ou un peu plus tard, on va trouver la solution pour pouvoir séparer la paille des grains. Est-ce que tout se déroule comme vous l'aviez prévu ? Je pense que chaque fois qu'on prévoit quelque chose, on ne peut jamais se dire ce sera comme ça, comme ça, comme ça. On a toujours des surprises, des imprévus. Je pense qu'on doit toujours prévoir l'imprévu. Vous cherchez à mettre en valeur un peu un savoir-faire ancestral. Là, vous vous rendez compte qu'il y a des lacunes. On a perdu certains gestes, certaines connaissances. Certainement. Maintenant, voilà, on vient avec des gros engins mécaniques, tout est robotisé, modernisé, on oublie tout ça. Après, on comprend parce que maintenant, on doit nourrir beaucoup de monde, il faut que ça fonctionne, il faut une certaine rentabilité. Nous, avec ce projet, ce n'est pas de la rentabilité qu'on veut. C'est un jour pouvoir faire de la farine à trois torrents qui puisse faire naître un pain. C'est vraiment cette idée. Et puis de pouvoir aussi conserver cette céréale qui était... à l'époque, cultivé chez nous. Je trouve que c'est ça qui est important. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir, je dirais, un jardin conservatoire. Donc si je vous suis bien, le pain avec le grain de 2019, ça risque d'être un peu compliqué. Je vais dire non. Enfin, on espère. Moi, je suis positive. J'ai vraiment envie d'y arriver. J'ai vraiment envie que ça se passe. J'aimerais bien que l'année prochaine, en 2020, il puisse y avoir un petit peu de farine de trois torrents avec les céréales de trois torrents. Ça serait vraiment un aboutissement. Voilà.